Bienvenue sur Sekiro, mais on est deux. Pour expliquer rapidement, Sekiro à la base c'est un jeu créé par les développeurs d'Elden Ring et Dark Souls. Sauf qu'on peut pas jouer en ligne, mais on a modé le jeu pour jouer ensemble et vous allez voir que quand on est deux c'est beaucoup plus drôle. Bon Kaizen, c'est la première fois que tu découvres le jeu du coup? Ouais, et j'ai envie de saboter le mec là-bas. Vas-y bah viens, on fonce, on le bouge. Allez, j'arrive pas à bouger. Il va voir deux wolves qui lui foncent dedans, il va rien comprendre. Vas-y tue-le. Ok. Allez. Et aussi je te montre un truc vite fait. Tu vois quand tu tues un mob, il y a des petites pièces là, reste appuyé sur carré. Oh les pièces elles sont tombées. Là il y a des mecs, vas-y, on en prend un chacun. Ah j'arrive pas, ok. Mais t'étais même pas là, je pensais que tu gérais l'autre. Oh bah je suis mort, non. Je vais tuer l'autre. Mais frère, pourquoi t'as pas tué le mec avec un fusil? Non. Tu galères encore sur... Ok c'est bon. Bon moi je suis mort une fois, je me rajoute une mort. Et ce qu'on va faire c'est qu'à la fin de la session, celui qui a le plus de morts il devra toucher le crâne d'un chauve. Ce sera le gage. Bon t'y a des loups. Qu'est-ce que je vais faire? Hop. Voilà, je te laisse te débrouiller. Ok. GG. Tu vas découvrir ton premier adversaire digne de ce nom. Oh là là, il a deux points rouges, je suis pas confiant. Ça veut dire il a deux barres d'HP. Oh là là. Il te fonce dedans. Oh là là. Vas-y viens spam à deux. Allez viens on spam, on le bourrine, il comprendra rien. Ah il t'a tué. Non. Je suis mort. Ah j'ai un HP. Sauve-moi. J'ai un HP. Ok. Ah t'es tombé dans le vide. Me dis pas que t'es tombé dans le vide. Mais pourquoi tu l'attaques pas? Bah tu me laisses tout seul. Tu veux que je touche le crâne d'un chauve hein, c'est ça? J'aimerais bien. Il veut pas mourir gros. Et pourquoi? Oh ce qu'on lui fait. Non. Ok une mort pour toi. Yes. Ah c'est complètement bugué. J'étais sur le... Oh. Attends. J'ai fait deux animations. Ah non, merde. Mais oui vu que t'es mort ça nous arriverait. Je pense pas grave. Ouais. Vas-y enlève une vie. Ok. Ah mais on l'a fait tous les deux. Attends mais on a enlevé les deux jauges d'HP à chaque. Regarde en dessous. Ah ouais. Regarde le mec comme il est digba. Non je me suis fait tuer. Oh. Et bah une mort de plus. Bon, pour l'instant on est à deux chacun. Est-ce que je peux le one? Yes. L'obèse je l'ai one shot. Au moins ça fait une meilleure société quand il y a moins de gros. Mais je suis en train de me faire bousiller à être des... Sekiro c'est trop dur de frapper plusieurs mobs en même temps. Parce que t'as qu'un seul petit katana. Ouais. Non, je suis remort. Non, je suis mort aussi. Ah, ce rythme, on va tous les deux toucher le crâne d'un chauve. Et s'il y a égalité, on le fait tous les deux, hein, c'est pas aucun. Je te présente l'ogre enchaîné. Ah ouais. Viens, spam-le, faudrait qu'il l'a encore enchaîné. Yeah. Bah voilà, il s'est sorti. Juste, voilà. Est-ce que je t'explique comment l'esquive ou tu t'apprends tout seul? Ouais, faudrait... Tout simplement des esquives, pas des parades. Oh. Attends, il y a eu deux kanji. Ouais, il y en a eu deux. Un chacun. Oh, ce que j'allais me prendre. T'as vu les réflexes de Shinobi? Aussi, n'hésite pas à prendre des boulettes ou des gourdes pour te heal. Ouais. Eh, comment il t'a plongé dedans. Et tout le temps, j'ai l'impression que tu te prends le coup, mais en fait, ça va t'esquiver. Non, il m'a chopé. Non. Oh, une mort de plus. Ouais. Enfin. Ok. Eh, je te carie, là. J'ai la Black Myth Wukong, j'ai du mal, alors là. Le mythe du grand noir. Oh, les racistes. Attends, les mythes du grand noir. Et en gros, les noirs, c'est des singes. Ah ouais, d'accord. Spirit Essence. Oh, je change de couleur, je suis devenu violet. Ah, mais c'est trop bien ça. Est-ce que tu me vois paraît normal ou tu me vois rentrer la tête dans le katana? Ouais, du coup, je te vois rentrer dans le crâne. Et toi, fais-le. Pareillement. Alors, toi, c'est quoi l'animal le plus grand du monde? Je dirais la baleine. Et c'est quoi ça? Wouah. Oh, c'est un serpent. Là, il faut qu'on passe de l'autre côté. Tu sautes et on se grappe hein. Vite avant qu'il revienne. Et on se cache dans les herbes. Allez. On se cache dans les herbes. On s'accroupit, on attend. Il est géant. Comment il a fait pour nous cramer? On va se cacher sous la grotte. C'est bon, il peut pas rentrer. Cache-toi. Il est juste là-bas. Ah, je peux guetter. Ah, je suis arabe, donc je suis guetteur. Attends, je vais l'attirer un peu. Non. Mais je crois que je vais pas mourir. Attends qu'on me dit pas vous êtes mort, pour moi je suis vivant, c'est bon. Enfin, je compte pas la mort. Non. Là je suis vraiment mort. Oh le con. Vas-y. Bon moi j'ai 5 morts, toi t'en as 3. J'ai l'impression que c'est plutôt moi qui est parti pour Ouais pour toucher des crânes. Pour toucher le crâne d'un chauve. Wouah. Non. Il t'est arrivé quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Allô? Attends, j'essaie toujours de comprendre ce qui vient de se passer. Je pense qu'il faut attendre qu'il passe tout derrière. Et dès que sa tête elle est dos à nous, on fonce. Vas-y. Quoi? Comment il m'a tué? Non, mais j'avais le mur. Peut-être qu'il faut que je passe là, que je le provoque. Coucou. Je vais pas provoquer toi. J'ai plus de morts que toi. Oh. Hop, après tu reviens. Mais t'es tombé. Mais pourquoi t'es tombé? Faut que tu rentres dans le truc, hein. Je te laisse rentrer parce que... Est-ce qu'on peut rentrer tous les deux? Non. Okay. Mais je suis... Non. Là, tu vas pouvoir le tuer. Voilà, bouge pas, quitte pas le truc. Là, il te surveille. Voilà. C'est ça
Kaizen, fais-le. Voilà. Vas-y, fonce. Fonce, loulou, fonce. Attention. Monte. Vas-y, tu prends le truc et tu quittes le serpent. Allez, mon petit loup, allez. Non, j'appuie sur Alt. Eh, hey, y'a moyen, lui, on pourra one shot. On pourra chacun faire une animation. Ouais. Et on enlève deux vies en un seul. T'as de la chance parce que j'ai fait les défis de force il y a pas longtemps, donc je connais très bien ces patterns. Oh, moi, je les connais absolument pas. Mais après tout, on est deux. Hein. Sekiro, mais on est deux. C'est pas Sekiro, mais je suis tout seul. Allez, viens m'aider. Oh, le pattern qu'il a. Oh, le pattern qu'il a. Vas-y, prends-le pendant que je pars. Attends, j'arrive pas à avancer. Ah, il m'a terminé. Ah, bah, et pourquoi c'est moi qui fais tout? Bah, peut-être parce que je connais bien le boss et j'ai déjà fait. Ouais, j'arrive à peine à me déplacer, gros. Ok. Ouais, vas-y, fais l'animation. Et regarde, ça joue des postures, elle est encore full. Et bah oui, du coup, je fais deux fois le truc. C'est bon, je l'ai fait tomber de son cheval. Oh. C'est maintenant que tu frappes. Depuis tout à l'heure, je fais tout et c'est maintenant que tu frappes. Ah, moi, je comprenais rien au boss, j'étais en train de courir partout. Attends, je vais t'aider parce que je sais des. Les loups, ils sont trop chiants dans les Souls Rec. Ah ouais. Ça, je le constate bien. Toi, tout le temps, t'arrives à la fin, ça me fait trop rire. Tu me laisses tout le sale travail. Et à la fin, tu viens pour prendre les miettes. Les gars, par contre, il y a un obèse qui peut surgir. Ah ouais. Et en fait, ils sont deux. Il y a deux obèses. Ah ouais. Là, c'est nous si on était wokistes. Pourquoi ils ont mis un arbre? Non, je suis pas un fusil. La mort nulle. Ah, les arbres. Du coup, c'était pas se suspendre. J'ai pris un. Mec, j'ai pris une balle de barrette. Vas-y, on est deux face à lui. Pourquoi il y a de la paille sur le crâne et pas des cornes? Mais pourquoi tu me focus alors que c'est même pas à moi le. Ok. Oh, il est. Vas-y, il est stun. Plus maintenant. Ok. Il va me tuer. Ouais, chabé. Et tu sais ce qu'on va faire? Je vais venir avec mon gros compte. Je vais le martyriser. Ouais, je vais le bousiller. Ah, comment t'es tombé? Hop, faut le finir. Achève-le. Voilà. Tu l'as achevé pour toi? Ah, c'est bon. Ouais. Oh, dis-moi, technique de fou. Ouais, je vis pas. Je vais faire sur lui. Mais c'est génial. Moi-même, je découvre des techniques que je savais même pas que. Je me suis fait péter. Ah, mais il y en a un sur le toit aussi. Ils m'ont vu, ceux d'en bas. Ouais, hop. Allez, prends ça au visage. Mais quitte, sa posture, elle revient à l'infini. Mais il est en train de tout parier, il récupère tout. Mais c'est un cheater, regarde-le, il est immortel. Ah, tu sais ce que je vais faire? Voilà, la poudre, je vais perdre un pimpin. Mais même quand je lui fais des dégâts, sa vie, elle revient. Eh, Kaizen, t'as pas activé. Oh, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Regarde quoi, lui? Oh, ta meuf, elle t'a quitté ou quoi, là? Il connaît, s'il vous plaît. Eh, je suis tombé sur un mec, il était en train de repenser à sa vie. Eh, mais lui, je vais essayer un truc. T'as vu? Toute sa vie, elle revient. Il récupère ses HP instant. Mais même sa parade, mais comment il fait? Je vais le bloquer, attends. Tac. Oh, GG, tu l'as one-shot. Ok, let's go. C'était donc ça, la solution. Le mec, il était meilleur que Eiichiro Nobunaga, qui était le plus grand samouraï de tous les temps. Meilleur que Yasuke, le plus grand samouraï noir de tous les temps. Oh, ici, il y a des gros poulets. Ce soir, on va bien manger. Bismillah. Ah, les poules, elles sont balèzes. Je pense que c'est des coqs, hein, parce que s'ils savent se battre, ça peut pas être des femelles. Ah, là-bas, il y a un petit mini-boss. Ah, je me rappelle en plus de lui. Oh, comment le bousille ta posture. On est deux sur lui, il comprend rien. Oh yes, wow, ce que je fais. Vas-y, est-ce que tu peux enlever la deuxième vie là, instantanément? Ah, il en a une deuxième. Bah oui, il a deux phases. Ah ouais, il a HP infini. Eh, moi je te. Non, je me retourne, je meurs. Vainqueur. Oh, y'a un mec qui spawn devant moi. Eh, j'avance, je vois un mec qui fait BG. Tu veux que je te présente my homies ou pas? Reviens. Voilà, c'est eux my homies. Mais pro, ils sont méchants avec toi. Avec moi, y'a pas de problème. Ok. Ouf, ce que tu lui as fait. Tu lui as fait une retournée. Vas-y, je vais les attaquer. Mais ils s'en foutent de moi. Ah, c'est toi qui veux, hein. C'est toi qui veux. Ouais, attends, par contre, pourquoi... Il y a un obèse là-bas. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il fait pas de sport? Non. Ah, comment tu vois comment il bouge ses pieds? Ah, il charge de fou. Il a un de ses corps. Ah ouais, ok. Lui, c'était l'homme moyen en 2024. Le 10 sur 10 américain. Non. Non, regarde comment je suis tombé. Est-ce que tu te rappelles de qui est cette personne? Ah. Comment ça? Ah, tu le connais ou tu le connais pas? C'est lui qui m'a sauvé. Parle-lui, t'inquiète. J'ai raté Wario. Mais t'es en train de parler d'un sujet grave sérieux et moi.
La musquine, mon père, il est en train de clamser, t'es en train de danser, t'es en train de tourner comme une toupie les pieds. Et il me pointe du doigt en plus, il me pointe du doigt, il a dit c'est qui ce con là. Il a dit l'entrée elle est par là, je pense qu'il faut qu'on saute. Ouais, je pense aussi du coup, hop. Et il faut qu'on ressaute. Ah, il y a un truc au-dessus. Attends, mais je suis mort de brûlade. De brûlure, je veux dire. De brûlade. Oh, il m'a jeté du sable dans les yeux. Tu sais, c'est comme le même où il envoie du synthétique, là, après le mec il le frappe. Tu connais Jouzol Pochard? Je connais pas du tout. Mais tu vas vite le connaître. Oh, lui c'est notre pote lui, hein. Parle-lui, c'est un bon. Allez, regarde bien, regarde bien. Il tape des slides. Fais gaffe, il y a Jouzol Pochard. Oh oui. Ouais. C'est lui, Jouzol Pochard. Il m'a one shot. Vas-y, moi je vais rentrer à l'intérieur. Oh, il y a des mecs. Doucement. Ouais. C'est trop bien d'être deux en vrai. Ah ouais, là du coup le jeu il devient deux fois moins difficile. Ah, ils sont encore en train de se battre. Regardez. Il veut me gerber dessus avec son alcool. Buvez pas d'alcool. Ouais mec, ne buvez pas d'alcool, vous allez devenir comme Jouzol Pochard là. Il pue et tout. On vous dit consommer avec modération. Consommez pas tout simplement. Sinon vous finissez comme lui. Regarde dans quel état ça te met les États-Unis. Mais non, mais j'étais en plein truc là. Oh, toi tu fais rien pendant ce temps toi. Ah ouais, les États-Unis ça fait pas de cadeaux. Ah non, ça fait des gâteaux. Exactement. Oh, let's go. GG. Mais pourquoi c'est moi qui suis... Toi, t'es où, toi? Ah, mais toi, t'es loin, hein. Pourquoi c'est moi qui suis en première ligne alors que j'ai un HP? Elle, je l'ai fait dans les défis de force. Attends, elle est buggée. Spam. Ah, non, cinématique. Ok, ouais, mec, ne skip rien. Profites-en. Ok, elle me demande si je veux danser avec elle. Non, on danse pas avec les femmes, nous. Mais non, t'es vieille. Allez, tu as détruit. Et on exploite tous les bugs possibles. Ok. Et là, tu veux. Non. Vas-y. Ok, je suis immune. Non. C'est bon, si. Effectivement, ça a fonctionné. Ok. Après, passe en phase 2, hein. Fais gaffe. Va derrière un poteau. Fais en sorte que là, d'où ils proviennent, ils peuvent pas toucher. Va derrière un poteau. Ok. Oui. Ok. T'as compris l'idée? Oh, j'ai tout esquivé, let's go. Oh, comment elle glisse? Elle slide! Mais c'est vraiment cyber. Ça me rappelle la vidéo Cyberpunk 1.0 là. Mais vous avez quoi à taper des slides comme ça là? Non! Mais elle me focus! Mais lâche-moi! Je suis pas ton homme! C'est bon. Voilà, c'est Kaizen ton homme, c'est pas moi! Non, j'ai pas signé pour ça. Elle peut nous foncer dedans, voilà. Ah, c'est moi qui a tout le focus. Là, j'ai TP, elle a cru que c'était Dragon Ball. Ok, let's go. Oh, on les exécute tous les deux. Allez, tiens ça. Let's go, je viens de dégorger. Attends, c'est n'importe quoi, gros. Elle s'est relevée. Mais qu'est-ce que tu fais en bas? Eh, on fait n'importe quoi. Elle s'est relevée. Pour moi, elle s'est... Attends, elle est voilà. Mec, pourquoi elle est pas... Attends, c'est bon, je la tue. Mais elle est pas morte. Ah, pour moi, elle est littéralement morte. Je comprends rien. On va compter les morts. Mais pourquoi compter? On sait déjà, c'est moi. Bah ouais, du coup. Quand même, je compte. 28, 29, 30. Ok, j'ai 30 morts. Et toi, 22, 23, 24. T'as 24 morts. J'ai 6 morts de plus que toi. Et moi, je vais toucher le crâne d'un chauve. Donc ça veut dire que là, demain, quand je vais aller à la salle, faut que je sois à l'affût, aux aguets. Je tac. En plus, l'autre fois, j'ai croisé Louisan à la salle d'ailleurs. Excuse-moi, je vais te demander quelque chose. Ça va paraître particulier, mais avec un ami, on a fait un jeu et on a dit le défi pour celui qui perd, c'est qu'il doit toucher la tête d'un chauve et prouver en vidéo. Toi tu veux ou ça te dérange? D'accord. Juste toute ta tête ici pour montrer. Oui. Ok. Comment tu t'appelles? Ahmed. Tu es de quelle origine? Algérien. Ah moi aussi, Mohamed, tu es algérien aussi. Ah, enchanté. Bah ça fait plaisir. Bon ça va, du coup j'ai réussi, le mec c'était un bon, il a accepté et tout. Du coup j'ai pu toucher le crâne d'un chauve, j'ai réussi le défi. Et justement tu vas voir un best-of qui parle aussi du fait d'être chauve. Et on parle de ma calvitie parce que faut pas croire, mais moi bon, c'est déjà un peu visible. Mais voilà, je te mets juste ici, tu peux voir le best-of. Bon visionnage et profite bien.